Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Company of Heroes 2 Arden Assault et on reprend la dernière fois de nos walkthrough de ce jeu. Nous avions pris, enfin plutôt nous avions sécurisé les régions aux alentours de Bastogne et nous comptions isoler Lierneux. On constate qu'il y a un important déploiement de forces ennemies. Mais pour ça, il nous faut le couper en deux, donc la meilleure technique que j'ai trouvée c'est de partir sur Espel. Prendre Espler, après avec la compagnie Dog aller chercher Stavega, puis Vexa. Comme ça on coupe en deux, on isole ce côté-là. Et c'est pas pour s'en plaindre. Et je vous laisse avec le briefing. Les Allemands rassemblent une montagne de véhicules de commandement autour d'Espelé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une super occasion de les frapper là où ça fait mal. Ils ne se doutent pas qu'on sait qu'ils sont là. Bon, leur force défensive stationnée dans la zone n'est pas énorme. Mais je les soupçonne d'avoir des systèmes d'alerte précoces. Principalement ces nouveaux Half-Track infrarouges. Allez-y et éliminez tout ce que vous pouvez. Attention, si vous sortez de votre couverture, les Boches vont tout précipiter sur la zone pour protéger ces véhicules de commandement. Bon. Cette mission-là, si vous êtes l'artillerie, c'est le top. Nous avons reçu des rapports indiquant qu'un nombre de véhicules au commandement se rassemble près d'Espel. Les ennemis ne semblent pas être conscients de notre présence. Ainsi, nous allons saisir cette occasion pour frapper fort. L'embuscade réussie ici perturbera la chaîne de commandement et Mir en tirera la coordination de leur offensive vers les Ardennes. Les Allemands semblent avoir des systèmes d'armes disséminés dans la région. Surtout ces spots infrarouges montés sur la traque dont il faudra être prudent et ne pas exposer nos troupes. Donc en fonction du nombre d'altrac infrarouges qu'on détruit et du nombre de véhicules commandement qu'on détruit, la médaille sera décernée. Donc on peut prendre tout le temps qu'on veut, et ce que je vous conseille, c'est vous prenez le temps sur cette mission. Ne vous précipitez pas, on a tout le temps nécessaire. Cependant, je vous parle qu'on peut avoir de l'artillerie. Vous pouvez débloquer en capturant une ville, avoir le véhicule M7 Priest qui vous sera donné en soutien. Cette artillerie-là, ne tirez pas sur les véhicules commandement, sinon vous augmenterez l'indice d'alerte. Je préfère préciser tout de suite. Vous pourrez par contre tirer sur les zones où il y a beaucoup d'ennemis, ce qui est fortement conseillé, mais vous devez éviter de tirer sur les véhicules commandement avec l'artillerie. Mais sinon, après, si vous faites attention à ça, la mission est globalement simple, vous faites plein de blindés et affaire réglée. Je sais, j'ai ça comme ça, mais c'est globalement cette mission-là que c'est. Y a rien de plus compliqué, hein. La machine de guerre allemande dépend grandement du commandement et du contrôle. L'offensive des Ardennes n'est pas différente. Diverses sources affirment que l'ennemi a consolidé un vaste réseau de structures de commandement autour de la ville d'Espelère. Si nos hommes devaient agir, toute attaque devrait sans doute se faire à la faveur de la nuit. Une telle action paralyserait la capacité allemande à coordonner la zone avant même qu'ils aient compris ce qui les frappe. On a entendu dire que les Allemands ont des véhicules de commandement autour d'Espelé. Les engagés perturberaient efficacement leur chaîne de commandement. On y va, les gars. On a des rapports de Half-Track infrarouge sur la zone. S'ils nous repèrent, ces véhicules de commandement vont sortir. Information. Contournez-moi ces Half-Track infrarouges. Utilisez des tirs directs uniquement sur eux. Sinon, toute la zone saura que vous arrivez. Et voilà. Il y en a un ici, les premiers je sais où ils sont. Après je me rappelle peut-être pas forcément d'où ils sont tous. Attention, infrarouge Bosch détecté. Maintenez votre garde. Et encore une fois, je m'excuse du fait que j'ai utilisé un bug, mais bon. Le jeu n'a qu'à pas être bugué. Donc. Ce qui est bien pratique quand vous avez mis les améliorant entre guillemets à distance de tir des fusils montés, c'est que vous voyez maintenant ils sont efficaces à longue distance. Je pense avoir déjà dit dans une vidéo précédente, mais vu le temps qu'il m'a fallu pour refaire une vidéo à cause de problèmes techniques. Wagou, wagou. J'ai meilleur temps de. Allez. On s'y
J'ai meilleur temps de faire de l'essence. Je réfléchissais pourquoi je faisais des munitions. Il n'y avait pas d'utilité vu qu'ici vous constatez qu'il y a 3 grandes caches de munitions. Donc, enfin, point de munitions. Ouais. Ouais. L'avantage en fait quand vous avez une comment ça s'appelle une Browning, quoi, je cherchais le nom. Donc, M1919A6, quand vous mettez vos troupes au sol avec cette arme là, vous pouvez supprimer les troupes ennemies. Ce qui est quand même non négligeable. Je suis bientôt level 2 avec cette compagnie en plus. La nouvelle section est prête et chargée à bloc. Les fusiliers. On envoie des fusiliers montés en nombre dans votre secteur. Ne lâchez rien. Partons d'ici. Eux ils peuvent partir. Merde, Alftrak infrarouge droit devant. Restez à l'écart de son projecteur. Y allez, finissons-en avec ça. Camion lourd en attente de déploiement. Sécurisez les munitions qu'on puisse partir d'ici. Équipez ce Alftrak. Préparé, envoyez les ordres. Allez pilote, on se met en route. Éloignons-nous d'ici. On attend les ordres. Donc on attend tout le monde et après on y va. Voilà, là c'est juste pour gagner de l'expérience plus vite dans les compagnies. Les gars, pilote, fais-nous avancer. Pilote, en route, on y va. On se met en route. On a un lieutenant pour les rapports. Voilà, okay, viens mon lieutenant. On avance en territoire ennemi. Aucun tir à moins qu'ils ouvrent le feu. Ouais. On pousse dans les lignes ennemies. On ne cherche pas la bagarre. Nous serons derrière les lignes ennemies. Limite, j'ai un petit doute, mais c'est bon, ça va passer. Voilà. Il y a un nouveau Alftrak infrarouge là, je crois. Attendez. Ici, on est bon. Non, j'ai rien dit. Bon, le vrai souci de cette mission, en fait, c'est qu'il faut prendre son temps. En formation. Allons-y. Ouais, il faut prendre son temps jusqu'à ce qu'on ait débloqué. Allez, dites-leur d'avancer. Les chars, voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. En attendant, faut y aller tranquillement, ne pas se précipiter.
Et ceci, c'est quoi? Il faut attendre pour faire un major, tout ça, donc ça prend du temps. Mais après, vous ferez plein de véhicules. Je sais plus c'est quoi comme véhicule. Parfait, en plus je gagne un rang de compagnie. Et je peux appeler mon major. Voilà. Au boulot. On avance dans les zones occupées. Cessez le feu sauf si vous voyez. Ça c'est fait. Le major, on l'a. Un commandant s'occupe des. Fusiliers montés, bien équipés et en route. Présentez-les aux Boches de ma part. Montez et dispersez-vous. Équipez-vous et sortez. On met le major dedans, comme ça il gagnera de l'XP avec. Et tout le monde sera content. Allez pilote, on se met en route. Bon, vous voyez, je prends petit à petit les points latéraux. On y tente de passer frontalement, parce que si vous passez en plein milieu, vous activerez les projecteurs infrarouges. De calibre 105 sont prêts à coordonner le tir de barrage. C'est bien ce que je pensais, il y avait un Yak Tiger. J'avais un doute. Lorsqu'on aura atteint ce point, préparez-vous à contre-attaquer. Je veux juste avoir cette confirmation là. C'est Hera, ne vous inquiétez pas. Écoutez les gars, allez les gars, c'est parti. Vous avez reçu vos ordres, les gars. Suivez-moi. Capturez et sécurisez la zone. Zone sécurisée. Maintenant, envoyez des hommes couvrir les approches. Ça vient ici, les attention gars. Infrarouge Bosch détecté. Maintenez votre garde. On se met en route. Bon, là c'est pas un misclic, j'ai mis des munitions volontairement parce que je trouve que j'en gagne pas assez. Équipez-vous, qu'on sort. Soldats, écoutez, on bouge. Autant de l'essence, une fois que je suis à 30 et dépoussé, je suis content. On est bon, voilà, il est en route, on y va. Mais munitions, quand je suis à 60, j'aime pas. Prenez la tête, nous avons reçu des ordres. Où est ce fusil mitrailleur? Alors. Montez. Il faut faire attention ici, étant donné qu'on a un petit souci. Ça s'appelle une mitrailleuse ici. Bon, après, il y a bien évidemment toujours des escapes Z qui se trimbalent. Vous préférez ça, des autoblindés.
Ego de souci, c'est le canon anti-char là-haut. Voilà. Bah au moins le Major a déjà gagné 2 gars. Un char. Oh, enfin. Un char de bientôt qu'on peut de nouveau déployer. À nouveau. Plutôt. Ah ah ah. Si je me souviens bien. Ouais, on va appeler deux Sherman Bulldozer, on y sortir après. Gros blindés en renfort. Deux M4 avec bulldozer sont en route vers le front. Blindés en position. Déplacement. Déplacez-les, sergent. Amenez le fusil mitrailleur au centre de la section. Section parée. Position marquée. Déplacez-nous. Toi, tu peux partir maintenant. Okay. Bon, on a une... Je m'excuse de pas parler, mais bon, bref, c'est un peu une course entre amants. Les Germains de Bulldozer sont juste parfaits pour cette mission. Envoyez.
Protéger la zone. Ouais. Il y a aussi un mouvement. Bon, une fois que tout se passe comme je le prévois. Donc, je me suis vraiment concentré là, c'est pour envoyer un bulldozer résider. Donc, prévoyez à détruire ça. Attention à celui-ci. En même temps, avec le bulldozer, vous pouvez passer là. Alors, qu'est-ce que je gagne? Vous nous avez sauvés! On vous est redevable! Allez, dégagez leur zone de frappe! Oh, plus 10 en force! Ah, mais c'est énorme! Allez, allez, allez! Sortez tous les armes de ce côté! Parez, en avant! Artilleur, attaquez! Normalement, les troupes alliées ne comptent pas, donc calcul. Ils peuvent se faire détecter, c'est pas des troupes à vous. Va dire encore heureux, sinon ça serait vraiment cruel de leur part. Mais vous voyez là, je gagne. Bon, l'essence, à plus savoir quoi en faire, ça on est d'accord. Hein. 66, c'est énorme. Ça, ça peut partir. Je vais juste appeler un nouveau Sherman. Et attention ici, je vous rappelle qu'il y a un Yak Tiger. C'est parti, montez dans ce blindé. Pilote, en avant. Le renfort de char est arrivé. Sherman paré. En normal, c'est un Panzer 4. C'est un Yak Panzer 4. Mais bon. C'est moins drôle. Ouch. Voilà. Ouais, deux avions de recours au même endroit, c'est pas courant ça. Équipage, coordonnez-vous sur la cible. Tirez tous à la suite. C'est là que je me dis, l'avion aurait pas pu se casser à deux. Je viens de gaspiller de l'essence. Des munitions. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. En position. Bon, tout le monde avec ça. Il nous en reste plus qu'un. Bon, bien évidemment, vous vous en doutez, je vais faire toute la map. Hein. Je vais en profiter pour XP un peu quand même. Le renfort de char est arrivé. Sherman paré. Déplacement. Fermez-la.
Ça sent la grosse offensive. Chargeur, au plus performant. Et maintenant, on est plutôt tranquille, on est... La véritable menace en fait dans cette mission, c'est le Yak Tiger. Ça, je pense que vous en doutiez. Et la deuxième menace, c'est le canon anti-char. Là, on l'a fait atomiser, pas qu'un peu. On l'a fait sauter tout ce que vous voulez. Le Yak Tiger ne bouge pas, quasiment. Même dire, bon, c'est assez facile alors de l'avoir. Oui et non. En fait, j'ai pas assez de munitions. Je vois où j'ai un souci. J'ai un problème de munitions. J'ai un gros problème de munitions. Bon, c'est pas grave. Je suis en face du Yak Tiger. Ça va, je m'en suis vite rappelé. Pourquoi ce char, quand je lui ai demandé de reculer, il a fait demi-tour? Voilà, Nuniac. Tout aurait dû se passer correctement, mais bon. J'oubliais que parfois les unités n'écoutaient pas les ordres parfaitement. Pas grave. Ben juste de perdre des points de force que j'aurais jamais. Dans une mission comme ça, j'en perds zéro normalement. Une position sur Alpha infrarouge. Consultez votre carte pour les coordonnées. Oui, ça va quand même. Plutôt tu qui va prendre. Voilà, on va passer au plan B. Déverrouillage du bazooka en progrès. C'est pas des squads de bazooka, le plan B. Ah, dommage. Bon, tant pis. Une mission où je perds toutes 0 blindés. Tout va dans le niveau de Toshu, vous voyez les points de force sont diminués d'un coup quoi. Le problème vu que c'est une vie de sauvegarde, il y a certains pattes qui sont pas encore mis qui ne sont pas appliqués, notamment celui du. Maintenant on récupère 10 points de force quand vous reconstituez une escouade. Enfin quand vous la reformez. Alors qu'avant c'était 5. Un groupe de combat attend les ordres. Bon, tant pis hein, ça arrive. Et toi, tu peux rentrer. Bien reçu. Fermez-la et écoutez. Prenez ce bazooka et des munitions. Putain, je pourrais aussi faire un capitaine. Le bazooka se place au centre de la ville et se déplace. Fermez-la, ça sent la grosse offensive. Un capitaine a deux bazookas. Ordre d'avertissement,
Attention, infrarouge Bosch détecté. Et maintenant, on a gardé les munitions qu'il nous faut. Faites passer cette roquette à l'arrière. Ok, on bouge. Préparez-vous à recevoir les ordres. Message reçu. Bon, d'accord, c'est vrai que je trouvais un peu. On a les munitions qu'il nous faut. Un pirate, tour ! Pointez le canon principal sur eux. C'est grave, je veux pas d'aide. Je crois que ça m'a rendu fou. Là. On attend dedans. Équipez ce blindé. Allez. Blindé en position. Bon, emmenez-nous là-bas. Venez par là. Groupe de combat paré à l'action. Est arrivé. Sherman paré. Bon, on est naze. Voilà. Prenez ce bazook. Ok, on bouge. Bon. C'est avec ça, j'arrive pas à le dégommer. Je sais plus quoi faire. J'ai 3 escouades de bazooka, donc c'est bon. Ok, on bouge. Là, le capitaine en a 2. C'est pour... Vu étant donné que j'avais beaucoup de carburant et. Beaucoup, 94 quand même. À la minute. Et vu que c'est un chasseur de chars, ça m'arrange. C'est quand même là où une ambiance est quand même pratique. Ça et un major. Vous comprenez très vite pourquoi un major. Le major me permettra d'avoir en fait la vision avec les vols de recop. Étant donné que la DC a été ici, que j'ai abattu, il n'y a plus que les mitrailleuses coaxiales qui peuvent tirer dessus. Donc pour faire une mitrailleuse sur les chars. Sherman prêt au départ. Montez dans ce blindé. Déplacez-vous. Fermez-la. Ça sent la grosse offensive. Grimpez dans le blindé. Mais bon, faut que je commence à stocker par contre les munitions. Sherman, prêt au départ. Votre attention. Éloignons-nous d'ici. Équipez-vous et sortez. Ok, procédez au premier secours. Surveillez mes signaux. Ici, commandant. J'ai réussi à placer un passe de reconnaissance. Équipez-vous, qu'on sort. Les autres devraient arriver de l'autre côté normalement. J'oublie des cerfs, d'accord. Par ici, s'il vous plaît. Quelqu'un doit prendre le volant. Préparez-vous à bouger. Équipez ce blindé. Allez. Blindé, opposez-vous ce 50. Parez. Montez dans ce blindé. Grimpez dans ce blindé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah, 8 blindés. Et je croyais encore plus haut, mais bon, on va peut-être quand même se limiter un peu. On se bouge, prenez votre bateau. L'équipe de bazooka se place au centre de la ville. Attention à votre espacement, suivez-moi. En fait, je sens moyen mon coup quand même. Je sais pas pourquoi, je sens qu'Avan Murphy va frapper. Fermez-la, ça sent la grosse offense, déplacez-vous. Vous voyez, un gentil toit d'emmerder au maximum. Je suis sûr que quelque chose a merdé. Je sais pas quoi, mais je suis sûr que quelque chose n'a pas bien allé dans mon plan. Je vois gros comme une maison. On dirait l'autre. Déplacez-vous. Déplacez-vous vers cette position. Envoyez les ordres. Ils nous ont repérés. Préparez-vous au contact ennemi. Remets-vous. Avancez. Alftrak infrarouge droit devant. Restez à l'écart de son projecteur. Go, go, go! Go! Avançons de combat!
Là, par contre, je pense intérêt à retirer coordonnées dessus parce que là, sinon, je viens de m'en sortir. J'aurais peut-être le finir à mano, se faire tirer le dégomme, c'est... Parfait. Ordonnez des tirs sur cette position. Ça m'étonnerait que je les détruis. Par contre, je pense avoir lourdement dommage. Sherman, prêt au départ. Section parée. Voilà, c'est comme ça, la seule technique que je vois avec ce bataillon là pour dégommer facilement. En position, on avance. C'est Volderkopf plus artillerie, bon, ça prend du temps. C'est une technique qui prend beaucoup de temps, hein. Ma vidéo tient pas toi 40 minutes en plus. Mais bon, c'est la meilleure technique qu'on a à notre disposition. Là par contre, je serais. En fait, j'ai récupéré, j'ai une idée. Ils ont tous au même endroit, ça, c'est une erreur. Infrarouge détecté. Attention devant vous. Voyez si vous pouvez protéger la zone. En avant. En avant. Envoyez. Déplacez-nous. Voilà. J'ai réussi à placer un pas de reconnaissance. Voilà, un nouveau vol de reconnaissance. Tenter de le finir à main, c'est risqué, mais bon. J'aime bien le risque. Surtout que là, j'ai plus envie d'être prudent vu que j'ai perdu 10 points de force à Roton. On gagne finalement. J'ai pu me venger en partie, mais bon, dommage. J'ai pas perdu de force de compagnie dans cette mission, c'est ça qui est dommage. Bon, pas grave. Je vais bien. J'aimerais juste avoir plus de temps pour t'écrire. On va devoir y aller d'un moment à l'autre, alors je vais faire vite. Les choses se présentent bien. Nous avons gagné du terrain aujourd'hui. Nous avons pris des véhicules de commandement allemand. Leur capacité à contrôler leurs forces a été entravée. J'ai pas de raison de me plaindre. La compagnie me donne plutôt une bonne image. Ils font du bon boulot. On n'a pas vraiment de pertes à déplorer. S'ils continuent comme ça, les hommes de Baker se forgeront une réputation qui sera la même de celle de grand-père. Je vais t'occuper. Très bien. C'est ça, normalement on doit gagner 10 points de force quand on réquisitionne dans une nouvelle campagne, mais bon. Vu qu'on n'a pas cette mise à jour, on va faire avec. Hein. Voilà.
Bon. Alors, prochaine mission, je passe à quelqu'un qu'on va faire. Mais on verra bien. Quoi qu'en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.